coucou, bonsoir la famille, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Alors ici c'est Mélissi Gloria, aujourd'hui nous sommes à la place publique de Locosa. Eh bien nous sommes sur une émission micro-trottoir. La question du jour c'est de savoir si c'est normal qu'une femme au foyer refuse qu'à son homme lui fasse l'amour à cause d'une dispute. Eh bien écoutons ce que les autres ont à dire. Alors bonsoir monsieur, comment vous allez? Bonsoir, je vais bien, chère. Ça va très bien. Ok, ici c'est Mélissi Gloria. Je suis devant vous pour vous poser quelques questions. Okay. Et quel est votre nom déjà? Moi, c'est Mariano. Mariano. Oui. Ok, c'est bien. Alors, monsieur Mariano, est-ce que c'est normal qu'une femme sous toi refuse à son homme de lui faire l'amour parce qu'ils sont en dispute? À mon avis, non. Eh bien, pourquoi? Pour moi, seulement pour moi, je crois que même si nous sommes en dispute, à l'instant là, on peut arrêter la dispute et faire ce qu'on veut, après répondre encore à notre dispute. Une femme n'a pas normalement le droit, l'homme aussi n'a pas le droit de refuser les cesses à son partenaire ou bien à son partenaire pour des raisons de dispute. Donc, pour vous, pour des raisons de dispute, une femme au foyer, quoi qu'en soit, ce qui se passe doit accepter de faire l'amour avec son mari. C'est un devoir conjugal et les deux parties doivent être responsables face à cette étape. Personne ne doit refuser le sexe à son second. Parce que dans le foyer, le sexe, bien, la réaction sexuelle, c'est vraiment très, très importante. La réaction sexuelle est vraiment très, très importante. Ouais. Et au cours de l'acte sexuel, je suppose que les disputes peuvent partir ou bien ça va revenir. En ce moment-là, c'est un moment de plaisir. On doit oublier tous les soucis. Si on finit, ça peut reprendre ou ça peut s'arrêter définitivement là. Mais à l'instant-là, là, on oublie tous les problèmes. Ok, merci monsieur. Je vous remercie beaucoup. Alors, maman, on a mis des bonnes nuits pour toi. Oui, Bélo. Oui. Et on m'a épiphané, nous nous commettons des bonnes choses, aucune problème. Est-ce que quand on va y en a sous quoi n'agbe honno à sous ton dos, yéro tabadja ouais ou quoi? Oh, attends, agbe honno do tabadja jenu chigo. Donc t'es où tu? Je suis natalo. On sous colonie on chile à sous quoi bien sous quoi chic bag blame on. Oh, il faut agbe te ma oui moule ça d'aller. Y a mon éco moi et bien sous. Nous tirons tabadja des tiens du adjo chay. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Ok, ici c'est Mélissi Gloria. Comment vous appelez? Moi, je m'appelle Adjoumaï Marcelin. Adjoumaï Marcelin. Ok, je suis devant vous pour vous poser une question. Alors, est-ce normal que la femme sous toi refuse qu'à son homme lui fasse l'amour parce qu'ils sont en train de disputer? Voilà. Et quand nous sommes là, Je suis un peu plus de temps.
Ça va bien chez vous? Ça va très bien. Ici, c'est Mélissi Gloria de votre côté. Ça va, moi, c'est Glago Hubertine. Alors, Madame Hubertine, je vais vous poser une question. Oui. Ok. Est-ce que c'est normal qu'une femme sous toi refuse qu'à son amour ou bien son mari lui fasse l'amour à cause d'une dispute? Non, c'est pas normal. Eh bien, pourquoi? C'est pas normal, mais ça dépend aussi. Ah bon, là, ça c'est sur deux volets. Ce qui s'est passé. Ça dépend de ce qui s'est passé. La femme a refusé. Qu'est-ce qui peut amener ou bien qu'est-ce qui peut se passer et la femme va refuser de se satisfaire ou bien d'écouter ce que son homme lui dit. Bon, Madame Hubertine, si cela ne tenait qu'à vous seule, nous allons rentrer dans vous, votre foyer. Si cela ne tenait qu'à vous seule, est-ce que vous pouvez refuser à ce que votre homme vous fasse de l'amour à cause d'une dispute ou de quelconque dispute? Non, je ne peux pas refuser. Je ne peux pas refuser. Vous ne pouvez pas refuser. Eh bien, non. Pourquoi? Je ne peux pas refuser parce que en lui refusant de me faire l'amour, il peut sortir cette nuit-là. Mais s'il n'a pas l'envie de sortir, pour aller chercher d'autres, ça peut l'emmener à sortir. Okay, ça donc, peut le pousser à sortir, quoi. Ok, donc le fait de refuser le sexe à son homme peut amener l'homme au dehors, si je comprends bien. Oui. Ok. Alors, dites-moi les bienfaits de l'amour. Les bienfaits de l'amour. En faisant l'amour, quels sont ses bienfaits? Ça maintient le couple. Ok. Ça maintient le foyer. Ça. Il y a aussi de l'entente. En faisant ça, en mettant son homme à l'aise, il y a de l'entente. En mettant aussi la femme aussi à l'aise, en lui faisant l'amour, en la satisfaisant, ça fait chose là, ça maintient le couple. Il y a l'entente, il y a l'harmonie, tout ça là. Donc le sexe maintient beaucoup de choses dans le foyer. Oui, c'est mon point de vue ça. Votre conclusion, c'est quoi? Une femme au foyer doit ou ne doit pas? Une femme au foyer doit, ne doit pas refuser à son homme de lui faire l'amour. Merci beaucoup, Tata Hubertine. Alors, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, madame. Comment vous allez? Très bien chez vous. Ça va très bien. Ici, c'est Mélissi Gloria. Et de votre côté? Simon Amemato. Ok. Je suis devant vous pour vous poser une question. Alors, est-ce que c'est normal pour vous qu'une femme sous toi refuse qu'à son homme lui fasse l'amour à cause d'une dispute? Bon, madame, votre question, moi, je vais répondre ça sur deux volets. Oui, je vous suis. Le premier volet, bon, vous savez, la femme sous toi n'est pas esclave pour l'homme et c'est ce que l'homme dit qui va se passer. Bon, sur le second volet, nous allons parler, nous sommes en Afrique. Dans certaines familles, ce n'est pas autorisé à ce que la femme refuse l'amour à son mari à cause d'un incident ou bien d'une malcompréhension à l'intérieur du foyer. Parce que la femme, vous savez, dans cette vie, la femme joue beaucoup de rôles dans le foyer. S'il y aura la paix dans un foyer, ça dépendra de la femme. Quelles que soient les bêtises que l'homme fait, la femme prend le dessus de ces problèmes-là et puis il y a la paix dans le foyer. Et puis, il y a la paix dans les foyers. Alors, monsieur, je vous remercie beaucoup. Alors, bonsoir, maman. Comment vous allez? Très bien. Ok. Ici, c'est Mélissi Gloria. Et chez vous? À Bouba Nicole. Ok. Je suis devant vous pour vous poser une question. Je vais d'abord vous poser ça en français et après vous expliquer ça en fond. Alors, est-ce que c'est normal qu'une femme sous toi refuse qu'à son homme lui fasse l'amour à cause d'une petite dispute? Tu m'étonnes où il était? Et quand on boit, on a souffert un peu en noir sous ton. D'autres tabac, perdre de l'été, tu ou toi? On a souffert un peu en noir à sous ton d'autres tabac ou toi? Et pour une des tabac ou à boire, sous nos voix de hobby ou peut-être un peu en noir mais pour tabac on a fait.
Bien, à cadeau, on va dire à cette tohomene, on doit niwa, ou alors de kai, ou alors de gueule, ou des soins, ou assez ouvert, en quoi, ou des soins, ou assez saine, ou vieux, ou des soins, ou à quoi, maman, c'est ouvert. Sono bia ho yon ba yon bel e bloro e do sono se sedo to romene on yon do da gbe ho nu asuto yon a de tele we kado e gbe yinu asu we bo e na do ho I ha me we we bi yon a de tele mo e de me do we do ro ko me yon yon a de me me wende e me nge vidi yon a ton de se via dion yon a da ho we wa deran de dion wa pa so te ado ho yen do aso te bo adago ato ma no bro bo adago ni no ahuzu vi we ni medele yon anda ho ne e no ahuzu vi do pon me medele de bemo e do mo a bo e no atoli e ni oto bo fi no wa tenti ton wa dije de me supo yon anda de me supo yon do po ka no mo bo gba ko won su ton nde tewe mo e ran na don wa hun do me esu po me agbe ho na su to esu po di nde na don wa hun do me o esu po ta do fine di o suno enaze ai ha devo ena ah asiche o no blo no ha mi da yin a akawa gbe ho ni ah kabi asitio edo tintron edo tintron pe mi ha sun devo ndo hole do fine pa bo na do do ho lo po de agbe ni owo ho de bo na do do tutan su po kwa ru conclusion mi ton conseil de termine do bona na yon da su hole nye te nde yon mo mo na na agbe che yon da su hole di o mi da yon le a kon pe panje mi na do nu o vi o wa mi ni mo wa ji je le wa mi ni mo mi ni ken ken mo na ho asu mi ton le sino mi do ho te ye yo mi de so e do isi se do to we mo e wa hende wa mi de so je na le mi ni ken ken mo se ri asu e ton le do o ni na me me e ra che nu mi kaka me merci beaucoup maman. Alors bonsoir monsieur, comment vous allez? Bonsoir, je vais très bien chez vous. Ça va très bien, ok, ça va bien. Ici c'est Mélissie Gloria, je suis devant vous pour vous poser une question. Alors comment on vous appelle? Moi c'est Dossa Fabrice. Dossa Fabrice, ok. Monsieur Dossa Fabrice, est-ce normal qu'une femme sous toi refuse à son homme de lui faire l'amour juste parce qu'ils sont en dispute? Bon, d'une part je trouve raison à la femme parce que moi je trouve que et le sens de l'amour, il faudrait d'abord qu'il y ait la compréhension. Il n'est pas du tout bon un homme de forcer la femme ou bien d'aller contre sa volonté. C'est un truc qui détruit les foyers de nos jours. Donc pour vous, avant d'aller à l'acte avec sa femme, il faut forcément la compréhension avant de démarrer. Oui, il faut surtout la compréhension. Il faut surtout la compréhension avant de démarrer. Oui. Alors je suppose qu'après avoir tout dit, après avoir se rabaissé peut-être devant cette femme, elle tient toujours à ce que vous ne la touchez pas. Quelle serait votre réaction? Ok, je la laisse. Je lui donne le temps de réfléchir ou bien de donner réponse à sa décision. Et vous n'allez pas vous fâcher? Non, pas du tout. Dignity can save you or kill you. Dignity, I wanna hold on to you. Dignity can hurt you or heal you.